voiture. Tu vas souffrir, hein. Tu vas pleurer des larmes de sang. Tu vas nettoyer des chiottes. Hein. Tu vas être une raclure de merde. Jusqu'à temps que tu deviennes infirmière, là j'apprendrai peut-être ton prénom. Est-ce que ça te convient? Je suis pas un chien, donc non. Eh ben, sur un matador et le regarder. Il y en a un qui se masturbe devant le miroir, puis l'autre qui se masturbe devant son gros tank. Il y a pas besoin de se. Je fais les deux. Ton compte en banque est vide. Non, justement, faut le remplir. Voilà. Oh. Mais alors, tu connais pas des pouches? Non, mais. Attends, il sort la poubelle. J'ai mal au ventre. Du coup, on t'a contacté parce que t'étais sur les contacts d'urgence de Evan Black. Malheureusement, nous avons, il avait de multiples caillots sanguins dans le cerveau. Il a fait de multiples AVC. On lui avait fait une batterie de test, mais son état a empiré au fur et à mesure. Et là, il a commencé à se réveiller. Après, il a perdu connaissance. Il a fait une hémorragie intracrânienne. On a rien pu faire. Il est décédé. Je suis désolé. Ah ok. ils me défendront si jamais ils viennent. C'est pas bête, hein, c'est pas bête. Hein. J'aurais plus pensé à un marquage tribal hein, si tu voulais faire un mal alpha, mais comme tu veux. Oh oui, putain. Je suis en salle de réveil. non, je vais passer de l'autre côté du... S'il y a un problème, tu cries, hein, d'accord? Oui, mais il va pas se m'arriver quelque chose. Non, non, je suis derrière... Oh my god. Je... Il y a quoi de l'autre côté de la porte? Mais pose ton arme, toi. Non, mais... T'as vu ce qu'il y avait derrière? Mais on est d'accord. Oh, mais. Ah oui. Voilà, je vais rester avec moi 12 minutes, quand. La vache, ouais. Oh putain, c'est un tour, putain. Attends, je prends mon plus beau, ma plus belle pose. Hein. On peut sentir qu'elle va venir. Va. Vas-y, allez, Robin, appelle-la. Allez, Robin. Hein. L'aventure ou la mort, c'est toi qui choisis. L'aventure, je te l'offre. La mort, c'est lui qui te la donne. Je suis pas sûr que la vache elle ait compris les poèmes, moi. Va, ma petite malgré-le, va. Au début, qu'on a quand bouffé, ouais. De quoi bouffer, de quoi boire, et également une aventure stellaire. Oh, toute ta vie. Tout ce que t'as rêvé, tout ce que t'as vu dans le ciel, tu pourras enfin l'atteindre. Viens, j'ai du fond de teint. Et si tu veux, j'ai un peu de vide aussi. Ah ouais, bah nickel, voilà. Nickel. C'est bon en fait, hein, j'ai soigné. Partons, Granger, c'est bon. Bon, vous êtes quelqu'un vraiment de solide en fait. Ah bah non, c'est la force, hein. C'est la force du psy. Hein. Ah non, mais ça, c'est remarque, vraiment tous les problèmes sont volés en 5 pas. Regardez, regardez, t'as plus de PTSD, hein. Ça y est, t'es libre. T'as mieux qu'avant. Ah oui. Bah j'allais bien. Vous n'avez jamais fait ça sur moi. Bah j'allais bien, je vais mieux. Alléluia. C'est le... Je vais pas tarder à prendre ma retraite. Oh my god. Oh mon dieu. Voilà. Et pour la succession. À moins que t'es de grosses oppositions virulentes, je comptais nommer Kate pour la succession. Oh bah y'a pas de soucis hein. Là-dessus. Ça marche. Bah voilà. Il va s'en remettre, tu crois? Allez, ça va. Oh my god! Mais c'est pas demain la retraite, hein? Ça va approcher pas trop tôt. Félicitations Teddy, tiens voilà des tickets resto, une box, une smart box, allez c'est bon, tu peux partir en vacances si tu veux, ça va être génial, t'as posé tous tes jours de congé hein. J'ai dit ça. Je tamponne ou je tamponne pas, on a le droit de pite à ce moment là. Non, dire envers, c'est pas ton frère. Non mais je suis médecin, je peux le soigner. Ouais mais non. Et aussi t'es médecin donc t'as pas le droit de le renverser. Mais mais non. Recule t'es sûr, enfin.
Oh non. Mais c'est horrible. Oh merde. Clairement, je ne sais vraiment pas de couleur, j'ai apprécié, oui. Ah, voilà. Le psy, ça fait 2-3 jours qu'il vient pour avoir un psychologue, oui. Ouais, bah dis-tu, là, laisse-moi enculer. Hein. Ok. Il m'a dit que la réponse c'était d'aller se faire enculer, oui. Là je t'ai énuméré que des crimes. Tu voulais des lits? Trouble à l'ordre public, intrusion sur terrain privé, intrusion sur terrain gouvernemental, dégradation de biens privés, non-assistance à personne en danger, c'est bon, on est tous en taule. Menace de mort, c'est bon, l'autre qui l'a fait. Harcèlement, c'est l'autre qui l'a fait aussi. Diffamation, c'est bon, diffamation aussi. Abus de pouvoir, Kyle en taule. Corruption, Kyle en taule. Outrage à agent, Kyle en taule. Faux témoignage, Kyle en taule. Détention stupéfiant, tous en taule. Détention d'objets illégaux, tous en taule. Détention d'argent supérieur à 10 000 dollars, tous en taule, parce que c'est ce qu'on gagne une soirée. Raquette, ben, pour une fois, je crois qu'on est pas mal. Vol de biens, on est pas mal. Délit de fuite, ben. Une fois que t'as rodé sur ton frère, t'es enfui ou pas? Non, je suis resté, hein. Et j'ai même mis sur un brocard, hein. Bon. Refus de tempérer, ben, là, ça va. Braquage de supérette, tout est patient. Agression physique ou morale, ben, agression morale, tu le fais tous les jours. À un moment donné. Namasté, frères et sœurs, on annule ma dernière story. Vous pouvez aller reliker @skymaker. Oh my god. Namasté. C'est horrible. Dépression. Bah oui, mais pourquoi t'en as une commu de plus d'un million? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah non, non, mais ok. On claque des toits et voilà. Ouais, non, c'est clair, hein. Après, c'est pas très professionnel, mais c'est comme ça, Kyle. Ouais, mais c'est pas gentil, hein. C'est pas gentil. C'est la jungle, Kyle. Tu m'excuseras, je tape pas dans mes mains, j'ai mal au bras. Je tiens absolument à vraiment tous à vous féliciter pour cette semaine. Vous avez été performants, le team building a montré qu'on est plus que des collègues, on est vraiment une vraie famille. Et ça se voit que vous êtes passionné par votre métier. Donc félicitations à tous. Par contre, nous on a eu besoin de petites coupes budgétaires. Et après moi ça m'a pas dérangé hein, parce que je sais que vous êtes tous très impliqués dans votre travail hein, et que l'argent n'a aucune importance hein, mais du coup je vais devoir réduire les primes hebdomadaires de 2 500 $ pour tout le monde hein. Voilà, je suis désolé hein. Voilà. Bah oui, c'est le budget, c'est comme ça hein. Bah voilà, c'est ça, mais bon comme je sais que vous êtes passionné hein, par votre travail, il n'y a vraiment aucun intérêt hein. Bon, en compensation, nous, pour avoir pris cette décision difficile, la direction s'augmente de 2 500 de primes par semaine, bien sûr. Mais ça, c'est un détail. Mais en compensation. Pardon ? J'ai pas bien entendu là. On a très bien entendu. Attendez. Je dis pas qu'on s'entend là. Mais attendez, laissez-moi écouter. Je nous considère un peu comme une famille. On peut se serrer les coudes dans ces instants difficiles. Moi, je serre les coudes, y'a personne là. Docteur Murphy, j'ai terminé ma consultation, j'arrive. Laissez-moi finir, il y a comme une belle annonce. Pour vous remercier de votre compréhension, j'ai installé un air babyfoot dans la salle de pause. N'hésitez pas à aller vous éclater. N'hésitez pas à aller vous amuser. Génial. Dans votre tête. Voilà. Alors. Merci Kyle, bravo. Bah voilà. Bravo, merci à vous. Et je sais que vous êtes compréhensif, donc il n'y a pas de problème. En cas de problème, n'hésitez pas à aller voir Arthur. De manière, voilà. Bah voilà, nickel. Bah voilà, votre délégué du personnel là. Hein. Il y a le Lord Damien obsédé sexuel, hein, c'est pour ça, hein, c'est tout. Ah, mais il sort qu'à minuit. Il sort qu'à minuit. Ah, merde, c'est ma sonnerie. Qui c'est qui m'a envoyé un message? Oh de Dieu. C'est qui a fait noter Gavin? Bon. Bah écoutez, hein, bonne soirée, hein. Si jamais il y a un problème, Gavin ou Damien. Salut. S'il y a un problème, Gavin. Je serais même incapable de dire c'est quoi le modèle. Oula. Dominator. Pas, c'est normal si je cours vite. Hein. Je suis habitué à rouler en situation d'urgence, donc un peu pilote. Hein. Hey. Je m'apprêtais à dire, et tant que c'est pas... Ça finit pas tout comme Elijah, oui. Oh! On l'a eu! On l'a eu! Oh bah... On l'a eu! Oh bah oui, on l'a eu! Vas-y, oui. Vas-y! Attends, je. Ouais, attends, mais dis pas, vas-y! Attends! Non! Attends, il se cache sous les yeux! On a...
Arrêtez-vous, monsieur, un contrôle de police. Ah non, ça marche pas comme ça. Ah ouais, ouais. OMS don't move. Merde. Ah merde. On a trouvé la personne. Vous avez récupéré le patient ? Et ouais. Oh merde. Donc donnez son identité s'il te plaît. On l'a trouvé, on est en train de le réa. J'arrive pas. Vous faisiez de la moto et vous avez perdu le contrôle, c'est ça, et vous êtes tombé. Hein. Vous pouvez me donner Oui, la montagne m'a envoyé. Oui. Ok, si je vérifie que bon. Vous êtes bien conscient. Hein. Est-ce que vous. Est-ce que je peux pas votre nom et votre prénom? C'est vrai, c'est le son qui monte à la tête. J'ai des cailles, on n'a pas de retour tout de suite. Allô. Saturez-vous, on va peut-être sortir du véhicule, je propose. On aide monsieur. Attends. Il y a pas de jusque là, moi, t'as vu ça? Oh là là, Véronique. My god, mais. Oh yeah, yeah. Ah, tu veux que je te fasse plaisir, Véronique? Ah non, mais. S'il vous plaît, s'il vous plaît! Là, on regrette ce qu'on a fait. S'il vous plaît, c'est nowhere! C'est vraiment. Nos habits job! Nos habits job! S'il vous plaît! Bon courage! Bon, voilà, voilà, voilà. Pas que deux, les frères! Allez, ok, je viens de capter. Ah oui, putain, il y a les patients qui doivent sortir. Oh non! C'est la douane, c'est la douane! Mais vraiment! Attends, je cherche un extincteur, j'en peux plus! Pas du tout, hein. Je me connais pas en Europe, hein, les gars, je vous ai déjà dit. Ah, monsieur Kane ? Ouais. Vous pensez qu'on a assez d'extracteurs de l'hôpital pour elle ? Je suis pas sûr, mais j'ai trouvé un petit spray hein, pour les lampes. Ah, hein. Mais c'est pour les plantes. Hein. Ah, les gars. Regardez, hein, quand elle est un peu trop chaude, on fait comme ça. Voilà, ça va mieux. J'ai pas décidé de venir retrouver le monsieur du quotidien parce que moi j'ai retrouvé sa femme. Bah non, on va essayer de l'attendre. Y'a pas. Je crois que j'ai un passage. Encore au courant qu'il a des cheveux gris. Et puis qu'il est pas encore au courant que on va devoir le raser là. Parce que je lui ai dit, mais je crois qu'il a pas écouté. Quoi? Ouais. Non, c'est bon. C'est bon, je le tiens, Attends. Oui, je le tiens, allez. J'appelle la police. J'appelle. Au secours. Au secours. À l'aide. Bon. Non, mais c'est pour ton bien. Non, putain, mon rire. Tue-moi, déjà j'ai un frère là, je pense. Tue-moi. Non, mais on va pas tuer, Oui, puis en fait, l'autre il a voulu aller s'aimer son frère, il est aussi tombé. Mais c'est un drame familial en fait, en deux actes. C'est ça. Vous êtes en train de torturer, je peux pas. Au secours. Non, mais casse-toi. Non, mais. Jamais voulu frère, t'es pas mon frère. Casse-toi, je connais pas déjà. Attends, merde. Putain, on est frère. Non, on n'est pas frère. Ryan, sors de là, Ryan. Lâchez-moi. Enlève-moi. Alors, si je me plains, je rien. C'est légal. Attends, tiens, regarde. Sans ce super masque là, il y a un beau parfum dedans. Ça va te détendre. Tiens, mais respire pas du dedans. Tout, hein, ça sent... Au moins, ça sent pas ton odeur. Ça sent. Ouais, respire profondément. Non, de Dieu. Et salut, désolé, j'ai oublié de mettre la scène. Alors, hop. Hop. Allô.
Ouais. Ouais, du coup, c'est bon, j'ai récupéré les prix, là, j'étais un peu embrouillé. Ouais, t'inquiète. Alors, nous, la base Notaki, ils sont à 9000, d'accord ? Ouais. Mais si vous fournissez les composants, on les fait à 8000 unités. Si vous fournissez un composant, on les fait à 8000. Ok, ok. Attends, je vais regarder combien j'ai de composants. Je te dis ça tout de suite. Hop. Allô. Putain, désolé, je regardais dans le coffre et ça m'a coupé. Non, ah, mais t'inquiète. Ouais, du coup, moi j'ai 3 montres connectées. Ouais, ça fait 3 composants du coup. 2 ordi portables. Ordi portable, c'est 3 composants par ordi portable. Ok, bah j'en ai 2 et 1 décodeur et 3 décodeur, c'est 1. Et 3 réveils. Et réveil, je crois que c'est 1 aussi. Ok, okay, donc tu vois, vous avez de quoi commander pas mal. Après, je vais pas te raconter de bêtises, d'accord ? On va pas mal produire, mais il y a pas mal de gens qui attendent des radios. Donc vous allez pouvoir en commander, d'accord ? On va essayer de vous livrer en priorité d'ailleurs. Par contre, on pourra pas vous en livrer 15 s'il vous en faut 15, quoi. On sera plus aux alentours des 5-6, je pense. Non, non bah là par exemple, une radio par pièce, quoi, genre ça tirait ou pas ? Bah, en fait, ouais, mais le problème, si tu veux, c'est que là, nous derrière, en fait, ça nous prend du temps de fabriquer. Et ça nous prend aussi des fragments, etc. Et en fait, il faut qu'on fournisse quand même un petit peu tout le monde. Ouais, donc on vous prendra peut-être pas tous les composants tout de suite, d'accord ? Mais si jamais vous avez besoin, vous, de combien de Toki vous auriez besoin, par exemple, actuellement ? Moi, je pensais t'en commander une dizaine, mais après, si tu peux, écoute, si tu peux en fournir 5, tu m'en fournis 5. Et je te file tous les... On pourra faire 2x5 comme ça, ouais. Et moi, je te file tout de suite tous les composants et tu me files la différence en argent sale. Et puis, comme ça, la prochaine fois, je te refile l'argent sale et ça fait un cercle quoi. Et tu peux te servir des composants en direct. Ouais, c'est éventuellement jouable. Ouais. Ok. Bah, écoute, je vais en parler à mon lieutenant dès qu'il arrive. Et de toute façon, je te recontacte ce soir ou mon lieutenant te recontactera ce soir. Et on pourra se voir. Et puis, de toute façon, c'est. En fait, nous, le but, c'est pas de vous livrer dans une semaine. Hein. C'est de vous livrer assez vite. Hein. Ouais, t'inquiète, après on en a quelques-unes donc ça va, mais ouais, si tu peux en 5 sans trop tarder, ça peut être cool quoi. Après, bon, le reste okay, c'est ok, très bien. Ok, et eh bah écoute, je te rappelle très vite, c'est noté. Super, merci. De rien, à plus tard. Salut, ça va ? Tu m'entends ? Ouais, je t'entends. T'as galéré à venir ? Ouais, un peu. On essaiera de faire vite parce que... J'ai même plus de place comme hier soir, je vais pas te mentir. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai flemme que ça fasse comme hier soir, donc si je vois que... Ouais, t'inquiète, j'ai compris. Hier, je vais me coucher. T'inquiète. C'est pas contre toi, mon bibou d'amour, mais bon. Ouais, t'inquiète.
Tu peux, est-ce que tu peux mettre sur l'annuaire la rue Lavray, s'il te plaît? Oui, je peux te mettre mon annuaire. Tu peux mettre mon annuaire dans la rue Lavray Allez, let's go. Super. putain de merde. Je choisis mon fut. Si mon pull, je vais me poser sur le trône et je fais ça. C'est assez prometteur cette histoire. Évite peut-être de sortir les bagnoles si tu... Ah oui, non, je suis quoi. Quel le num de la rue Lavray? Ouais, le num de la rue Lavray, mais le dans la duaire, comme ça je copie-colle. Oh putain, faut que j'arrange elle. Jessie, Elsa, quoi? Non, y'a un mec qui s'appelle Elsa chez les Jessie. Comment ça? Bah y'a un mec qui s'appelle Elsa chez les Jessie. Comment ça, un mec? Bah un mec. Ouais, c'est peut-être un sexe d'origine femme qui s'identifie comme un homme, j'en sais rien moi, mais y'a un gars qui s'appelle Elsa chez les Jessie. Bah non. Ça va pas du tout ça. Tu le mets sur l'annuaire, ce putain de numéro! De gueuler là! Oh, attends, parce que. Toi, si je te dis. Y'a un mec chez Jessie, il s'appelle Nathan Johnson. Mais toi, tu t'appelles Thomas, alors regarde de casser les couilles! Non, c'est Elsa! C'est Elsa, boubou! C'est pas inclusif ce que tu fais, Nathan. Bah si, c'est inclusif, chacun s'appelle. Un connard de ça. C'est. Non. C'est inclusif, chacun s'appelle comme il veut! L'enfer. Va, viens, on va se pioter sur mon canapé. Non, je peux plus te parler. T'es pas inclusif avec moi. Bébou. J'ai dit que je m'appelais Elsa, tu dis non, tu t'appelles pas Elsa. Si, tu t'appelles. Si, tu t'appelles Elsa. Ben voilà, donc je suis énervé qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Elsa dans un autre groupe. Mais tout le monde peut s'appeler Elsa. Non, parce que c'est moi Elsa, c'est que moi. Mais...
Wow, 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 wow. Faites attention. Oh non. Ouais, c'est pas de refus. C'est un saucisson de taupe que j'ai fait moi-même. Un quoi? Je trouve une taupinière. Ouais. Je mets de l'eau dedans ou de la bière en fonction de ce que j'ai, parce que la bière ça apporte un peu de goût. Et après, j'ai oublié de sortir de la taupe et je les bute. Et après, je les égorge. Et après, je fais du saucisson avec. Et ça, c'est fait maison du coup avec amour. En vrai, c'est pas dégueu. Putain, mais. Ah mais sinon va celle pas de Vinewood. Non mais on va chercher un bidon d'essence sinon on s'en branle. Non mais va celle de Vinewood, c'est bon. Je vais prendre un bidon d'essence. Attention au feu rouge. Baisse le Josh. Mais t'as le chico déjà. J'aime pas ce film de cul, mais l'introduction est un peu longue. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Ça va. Je crois avec de la latte. Ah ouais, bam. Cognard. Comment il a volé comme... Ça va mieux, je termine les îles en place. Vas-y, si tu fais votre truc, tu te prends une balle dans les têtes. Tu vois mon flingue là? Tu vois mon flingue sur sa tête? Oui, 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 je le vois. Ouais, je le vois. Mais monsieur, désolé, monsieur, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais donne-moi ton téléphone, donne-moi ton téléphone. Tenez, tenez. Calme, calme, calme-le, calme. Ouais, je sais que t'as rien fait, mais c'est toi là, c'est... Alors tu te calmes! Écoutez, monsieur, moi je vous jure que moi, à part aller au licorne baiser des femmes, moi j'ai jamais rien fait toute ma vie! Ouais, bah j'espère que t'as bien baisé, parce que c'est la dernière fois, Pietre, hein! Quoi? Ah bah, c'est ma partie, mec, hein! Est-ce que je peux appeler ma maman, s'il vous plaît? Non, il peut pas appeler ça. Non, t'as pas le droit! Regardez, monsieur, est-ce que c'est par exemple, c'est chez nous ou pas? C'est une bombe avec ou c'est juste un turban? Il y a peut-être de la TNT dedans. Alors comment on fait maintenant? Comment on fait? Hein? Comment attends, je vais mettre mon flingue dans ta table là, tu vas te calmer maintenant. Vas-y, vas-y, moi je m'en fous, je meurs avec toi moi. Je vais tirer moi, je vais tirer. M'en fous, je tire. C'est soit, mais si tu tires, elle explose mon pote. Bah je m'en fous, moi je suis capable. Si tu tires, elle explose mon pote, d'accord? Vas-y, enlève ta capka, enlève ta capka. Vous êtes sûr? Pout la capka dedans. On explose tous. Pout la capka dedans. Comment on fait? Ça allait plutôt pas mal, juste assez pris de. Ah ouais, chaud. Ah moi, il me touche pas, hein. C'est même pas en rêve. Ah non, mais c'est clair, personne mène main au cul de ma soeur à part moi. Bah tu m'étonnes, hein. Le problème, c'est qu'il va sûrement casser les couilles à Merlin, non? Oh. Là, vous nous avez foutu la honte. Est-ce que je pensais... Non. Je pensais que c'était... que c'était vraiment pas mes prospects qui étaient en train de... Non, c'est pas moi. Pourquoi j'ai mis... C'est pas moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste bu un whisky avec mes têtes. Ah, toi aussi t'as bu un whisky? Oh bah c'est bien. Au moins tu peux... Pardon, c'est ici. Excusez-moi. C'est pas grave. Oh putain. Ouais, après, même si vous avez un peu des goûts de chiottes, hein, c'est pas grave. Hein. Comment ça, j'ai des goûts de chiottes? Bah, Johnny, c'est vraiment de la merde, quoi. Mais, ouf, putain, retenez-moi. Heureusement qu'il est mort, quoi. Retenez-moi. Quoi, vous avez dit quoi, là? Bah, heureusement qu'il est mort, j'en pouvais plus. Je vais où? Quoi, il est mort, là, monsieur? Mais j'y peux rien s'il est mort, hein. J'y peux non, rien. Mais pas ça. Il est pas mort. Si, il est totalement mort. Non, il est pas mort. Il est totalement mort, il y a juste un vieux sosie vocal tout pourri, hein.
Allez, c'est parti, hein. Casse-toi, Will, c'est un appel secret, hein. Allô, hein. Oui. Je reconnais presque la voix. Attendez. Bien sûr. Indice, je suis meilleur au MS, hein. Ah, c'est pas possible. Elle a dit, attendez, je reconnais presque. J'ai dit, c'est le meilleur au MS. Elle a dit, c'est Nicolas, j'ai raccroché. C'est-à-dire, c'est jetable de toute manière, c'est pas grave. Hein. Ouais, c'est pas pour rien qu'ils ont cet uniforme là. On les appelle les Kleenex. C'est vrai. Ah, c'est tout prend son sens. Bah oui, totalement. Je vous dis ça. Et n'empêche, appeler stagiaire, stagiaire 1, stagiaire 2, ça vit de retenir des prénoms et c'est vachement pratique quand ils passent infirmier. Ah, c'est du coup, tu leur demandes leur nom quand ils sont infirmiers. Exactement. Putain, j'ai entendu Girophare. Ah, oh my god. Oh my god. Oh my non, god. Ça faudrait qu'il y ait une personne qui l'a conduit. Merci. faudrait dire à personne que tu as conduit. Ta voiture elle est de l'autre côté d'ailleurs. Ah. Bah ça c'est parce que vous m'avez agressé, hein. Ah d'accord, et eh bah écoutez, mettons-nous d'accord sur nos désaccords, repartons à zéro, ça vous va? Ouais c'est ça, et je fais un gros travail sur moi-même pour arrêter de juger les gens. Par exemple là, vous avez une tenue dégueulasse, j'ai pas dit. Allez vous faire enculer. On dira rien. Il fait rien comme moi, le cacheur. Non. Reste, non. Je suis fini, Marcus. On fait un peu de yoga, on se détend. Yoga, Marcus, yoga. À droite! Petit coup de frein à main, pam, chaque ouais. Flaque! Oh, c'est pas qu'on allait se prendre tout droit là! Après, le pire qui peut t'arriver, c'est qu'ils te croisent dans une ruelle, ils te mettent un sac en plastique sur la tête et qu'ils t'emmènent dans le coffre. Le jour où ça arrive, là, ouais, on pourra dire que y a un problème. C'est super rassurant ce qui se passe. Elle lui a cassé le dé au calme. Non, mais t'inquiète. Après, je tape, mais après, merci. Un bisou magique. C'est drôle. Elle l'a poussé au niveau du nez avec le poing, c'est une manière de faire. Ça rechance, mais pas accroupi pour faire un bisou magique. C'est ce que tu crois. Oh, bordel. Non, mais vous faites ce que vous voulez, un peu de chemin. Alors ? Alors. Ah, le bonnet, c'est parce que tu es. C'est alors, il y a un patient. Ah merde. Attends, je dis. On est occupé, on arrive. Hein. Ça, ah on veut juste bannir les gens moches et les aider à être mieux. Bannir les gens moches, c'est un peu. Non, vous n'allez pas les aider, les on gens les sans style. Mais non, mais on. Les gens sans style. Les gens sans style, vous pouvez être moche mais avec du style, c'est ça la solution. Oui. C'est un vrai non, message d'espoir pour tous les moches. Hein. Ah non mais il comme est monsieur pas moche, là-bas. Il est, Oh il a une belle personnalité. Hein. Ouais c'est ça, il est bon à l'intérieur. Exactement. Vous remerciez du compliment. Ouais. Ah, totalement. Ah non, mais c'est incroyable. Voilà qui tu oh. Oh my god. Non. Avancez! Oh my god! Putain, mais... Oh my god! Ok, c'est dans le coin? Je suis en train de prendre le dernier appel, pourquoi? Non, je vais le voir après ça. Sauve des vies et j'arrive. Hein. Sauve-les. Je vais aller dans cette. Oh my god, il fait froid! Dépêche-toi! Ok, je viens! Tu mettras un bonnet! Ah, je mettrai un bonnet! Mais c'était que là, ces bonnets! Hein. Tu mets de la crème, les amas! Ça fait hipster! Hein. Non, c'est. Comment ça, hipster? Hipster! Et c'est
toi les Easter Egg. C'est les mecs qui bossent dans l'informatique et qui brassent leur bière, c'est n'importe quoi. J'ai rot ça. Des hipsters quoi. Bonne soirée messieurs. Allez, on va être à couteau tiré là. Ouais, si ça partait. Hein. Ils ont de la chance que je me sois pas énervé. Hein. Fais gaffe. Attends qu'il soit loin avant de dire ça. J'ai fait attention qu'il soit loin et que je parlais pas trop fort. Là, j'ai bien fait attention. Ouais, parce que on a connu des. On a connu oh, des cas. De loin. Parce que tu vas pas nous faire tout l'arc-en-ciel. Hein. T'arrives, hein. Ouais, petit toit, je pense. Il faut que je te fasse de la ASMR. Du coup, j'appelle Yukio avec sa Hasbro. Oui, Vinkin me lécher les oreilles, ça serait sympa. Ah, t'es en service. Non, t'es pas en service. Non, je suis pas en service. T'avais te rebellé que t'avais porté des baguilles et fumé des plantes. Ah non, peut-être pas quand même, je vais peut-être juste me rebeller. Hein. Désolé, je disais que Kyle il en avait gros de pas avoir de promotion. Bah oui, il en a gros. Tu les gueules, ah, j'en ai gros. Hein. Ah merci, et du coup, j'ai avoir une promotion. C'est pas gagné. Et les plaques, vous les avez retirées ou je les ai encore là? Non, non, mais vous, là, vous allez être en beau cop, hein. Vous les aurez à vie. Hein. Donc, bah ouais, là si vous vous faites tirer dessus, essayez de faire en sorte que ce soit du côté droit du coup. Hein. Parce que ça bloquerait une balle, vous pensez? Je sais pas, vous les contestez. Hein. J'ai une question. Hein. Mm-hmm. Si on met une sensu sur un pénis en érection, est-ce qu'elle explose? J'ai jamais essayé. L'appui sanguin doit être trop fort, ouais, ça doit être rouge. En tout cas, elle doit avoir une belle migraine. Hein. Ah non, l'alcool c'est pas cool hein. L'alcool c'est pas cool. L'alcool, c'est, ça, pas l'alcool cool. C'est pas cool. Hein. Pourquoi y'a le mot le cool dans l'alcool si l'alcool c'est pas cool? Putain, réfléchis un peu, réfléchis gars, réfléchis putain. Ah pardon, hein, pardon. C'est tout à chaque fois. Ouais, ça marche, Détends-toi, ouais, détends-toi. Bon, jus de sucette. Oh ouais, ça va, on a parlé de sensu sur la bite, ça va mieux quand même. Hein bon, on s'est posé des questions sur est-ce que si on met une sensu sur une bite en érection, est-ce qu'elle explose ou des choses comme ça. Je suis trop fatigué, putain. Oh bordel, là. Je suis beaucoup trop fatigué pour cette soirée. Oh là là, c'est... La neige tombe. Pour information, je suis en actionné de nature pour que si vous voyez un dispatch sur l'eau, ça a tout potentiellement moins. Qu'est-ce qu'il prend là? Qu'est-ce que j'en ai à foutre hein? Ok, c'est pris. Cette violence comme ça. Je passe un message radio. Pour info, je mange des pâtes. Si je m'étouffe, c'est moi. Je vais peut-être même garer. Hein. Voilà. C'est mieux comme ça. C'est plus droit. Ben ouais, on est colocat. Salut mon EMS préféré. Salut hein. Les King. Ah salut. T'es en cosplay merde, là. Non. Les lunettes, ça fait un peu secrétaire fofolle. Un peu fofolle, mais je suis pas une secrétaire, oui. Ah mais là tu t'appelles Brigitte. Pardon? Ah, Brigitte. Ok, c'est... Brigitte. Oh là là, ça tire à balles réelles, ouais. Je vais t'appeler débroudé. Je t'emmerde, hein. Qu'est-ce que... Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça aussi, tu verras, quand t'auras pris 30 balais dans le cul. Non, c'est une mauvaise expression. Tu verras. Là, il faut vraiment que t'arrêtes de boire, parce que là, tu es en train de d'éluder ton problème qui va te reprendre. Te prendre dans la gueule x10. Mais vraiment? Je veux mon PPA. Non, tu auras pas ton PPA si tu sors bourré tous les jours. C'est pas un putain de chasseur français quoi. Ok, on va faire ça. Une femme de ménage qui fait le linge. Ouais, pourquoi pas. Un esclave. Non, toujours pas là, Kyle. Essaye d'oublier ce terme. Je sais pas pourquoi tu le connais d'ailleurs. Parce que j'aimerais trop avoir un esclave. Pas moi, bizarrement, je... Non. Exactement. Oh, oh.
Bah c'est bon, comme ça on est pas mal. Allez, c'est parti. Hein. Alors, vous êtes cogné, c'est ça? C'est trop bien, c'est comme un Pokémon. Un Pokémon, qu'est-ce qu'il raconte lui? Stagiaire 1 à l'attaque. Attaque soin. Attaque soin. J'ai lancé trompette. C'est pas très efficace. Elle fait pas trompette dans la madame, hein. C'est interdit. Hein. Je vois qu'elle est petite. Oui, bon, de toute façon, je peux plus rien faire à mon âge. My god, il est complètement traître. Oh, tu baves. Un stagiaire attaque trompette. Les chiens, ils sont pas autorisés dans les EMS. C'est pas très efficace. Ah non, mais moi tout va bien, j'ai fait mon deuil de 6 soirs depuis bien longtemps, mais c'est Kyle qui a l'air de vouloir que... Bah Kyle, moyennant aussi des examens cardiaques pour voir si tout fonctionne bien, on peut te donner du Viagra, hein. Ah non, mais ça va, c'est juste qu'il a fait une attaque trompette ratée, hein, du coup, hein, je voulais l'aider. Une quoi? Une attaque trompette ratée. C'était pas très efficace, hein. Ah, faut que vous enleviez absolument cette casquette, c'est médical, hein. Sinon, votre cerveau il risque d'être mal aéré et Ah ouais? Ouais, totalement, ouais, c'est ouais. Sûr. Ah, c'est est-ce sûr. Que, est-ce que c'est totalement professionnel cette requête ou c'est purement. C'est purement professionnel. Si vous voulez, on en parlera avec un supérieur si vous avez peur, mais moi je vous déconseille clairement de mettre ce genre de casquette. Hein. Peut-être une casquette plus blanche ou noire, là ça va mieux pour le cerveau, hein, mais là les noirs comme ça, enfin les. Oh là, my oui. God. Les vertes comme oui. Ça, kaki, hein, qui ne voient pas du tout avec la tenue, c'est mm-hmm. No way quoi. Qu'est-ce que vous avez? Ah. Gueuler à chaque fois que je vous vois, j'en peux plus. Elle ah touche à fond. Hein. Non, c'est elle qui est là. Faut que tu me dises à moi. Oh la bagarre. Meurtrière. Je suis pas versatile, j'aime pas qu'on me casse les kiwis. Oh, j'aurais pas aimé tout ce que vous avez dit. Heureusement, je suis pas là pour faire des conflits, mais bon, moi j'aurais pas aimé. Allez, c'est bon, je prends ça. Quoi? C'est quoi l'essence? L'essence de la télé-réalité, hein. C'est des gens, en fait, c'est des futurs stars, on les met dedans, dans une maison, hein. Ils sont tous beaux, hein. Et en fait, ça baise et ça se défonce, hein. Un peu, ouais. C'est entre. Mi-baise et entre-tu, hein. Et il y a du sang qui zicle et tout, pas? Non, pas du tout, hein. Il se passe rien du tout. Oh putain. C'est juste d'un coup, hein, t'as quelqu'un, il vole une tranche de jambon, et l'autre a fait « Quoi? T'as volé ma tranche de jambon, hein? Et en plus, t'as baisé mon mec, hein? » Et après, du coup, et ben là, t'as Matthew, il arrive, et il se tape. Et en fait, après, derrière, il y a une meuf, elle arrive, elle griffe, et après, il y a combat de meuf et combat de mec. Et après, il y a tout le monde qui fait « Waouh, 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 waouh !» Tu vois un peu le truc, hein? Et après, c'est la pub. Ouais, ça va de ouf, ouais. Mais c'est juste avant, c'est la pub, hein. Et après, il y a quelqu'un qui arrive, ils font bon, allez, on va en boîte, et tout le monde fait ouais, génial! Et après, il y a un mec, et bah, du coup, ils y vont, et il y a des couples en plus en dedans, et du coup, il y a des couples, et bah, souvent, il y a le mec, il arrive, il va ken une meuf au hasard, random, devant sa meuf, et après, il s'étonne pourquoi elle est vénère. Je te laisse faire et je juge, hein, t'inquiète pas. Hein. Non. Arrête! C'est la parade nuptiale! Exactement. Vas-y, hein, fais le cri, hein, fais le cri de l'animal qui. Alors, ça t'a dit. Bah c'est parti, hein, tête dans le cul. Hein. Allez, let's go. Du mal, hein. Ah c'est vrai que le patriote s'est un peu fait défoncer le cul quand même. Hein. De quoi? Bah tu vois, si ah j'étais oui, un Mac, oui. Le Patriote, c'est ma pute, hein. Il a plus de cul. Ah, il s'est fait des... Ah, il est très rentable, hein. Ah, là, pour le coup. Il a pris cher, mais putain, il a aimé, hein. Ah bah là, ouais, j'espère qu'il a aimé, hein. Ah ouais. Allez, on y retourne, hein. Mais c'est ça, ça fait la cassure, en fait. Head fashion, c'est un peu être en avance devant tout le monde, quoi. Mmh. Et là, en fait, hein, ça fait le bas un peu grunge, vous voyez, un peu comme les punks. Et le haut, on dirait que je dirige un cartel de pute, hein. Et du coup, hein, ça fait un truc Mac and Punk, hein. D'accord. De quoi? Et du Pera de la cité. Yo, je prends des putes pour niquer ta mère. Je tiffe de la coke dans le cul de ta mère. J'adore la résine de cannabis. J'en fume dans mon hôtel Ibis. Ça, c'est du rap. Waouh, c'est. Ouais, merci. Très profond dans le cul de ma mère. Yo, je voudrais du poulet frit. Hein. Pas s'il te plaît, hein, j'ai de la street. Hein. Ça marche. Il fume. Combien? Tout, hein. Et je prends la caisse aussi, hein, parce que j'ai de la street. Hein.
Ah ouais, carrément. Tout, à la street, quoi. Ah ouais, j'ai pas la photo sur le game. Ah, j'immortalise ça. Wow. Oh wow. Aïe. Je crois qu'il y a des dirigeables qui sont en train de vouloir faire un enfant là-haut. Ah, ah ouais. C'est comme ça qu'on fait les bébés dirigeables. Ah bah ils ont réussi à... Je lis mot pour mot, hein. Vas-y. Bien sûr. C'est positif. Putain, Arthur ? Tu m'entends, Arthur ? Il fait un arrêt, là, non ? C'est bruit, ça se met dans le bruit. Ouais, non, Arthur... On est d'accord, c'est mon papa, c'est moi qui touche l'héritage. Non mais... mais... Pardon, réflexe, hein. Alors, oh my god. On va le mettre sur le côté. S'il parle, là. Bah, vu la tête de blanc que c'est, ouais. Ça y est, c'est bon, je me casse. Hein. Je démissionne. Hein. Vous avez entendu, hein, je démissionne. Hein wow. Oh, attends, calme-toi un petit peu, prends ton temps. Je démissionne pas du tout, non, je te confirme. Y'a, yeah, tranquille. Quoi ? Souffle un peu, je sais, c'est compliqué. Ok, je démissionne pas, Arthur, t'es viré. Hein. Non, toujours pas, non. Ok, je démissionne pas, Arthur t'es pas viré mais je fais la gueule. Peut-être que vous avez peut-être des choses à apprendre sur vous deux. Peut-être que vous avez plus de points communs que vous ne le pensez. Bah... Ouais, bah déjà il a baisé ma mère, donc ça fait un petit peu... Enfin non, ça fait pas un point commun, mais vous voyez ce que je veux dire. Car... c'est votre père, quoi. Salut, hein. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, vous-même. Ah bah ça va et vous? Ah, je reconnais cette voix. Bah ça va, ça va. Oui. C'est qui Clodo, hein? Bah c'est mieux quand même. Bah, comment allez-vous, monsieur Johnson? Ah oh, bonjour, oh, monsieur Johnson. Bonjour, monsieur Johnson. Mes cœurs. Ah bah... Il est viré déjà, ça c'est fini. Bon allez, viens, je vais t'emmener ça en brancard. Ah merde. Aïe. Ah, tu tiens pas debout, hein. Non, est-ce que tu te rends compte de ce qu'aurait perdu la planète si tu étais mort? Ah, la Terre est très détruite. Exactement, ça aurait implosé, donc maintenant. Ouais. Putain, mais quel gros con. Avec un smiley. Excuse-moi, c'est sorti tout seul, mais... Mais en fait, c'est quoi le but, à part faire de la rétention d'informations? Je vais dire, c'est bien, tu confirmes l'hypothèse comme quoi t'étais une merde. Hein. Il va falloir passer à la maison. Hein. Aïe. Gueule, hein. C'est quoi ça? Bonne nuit. Bonne nuit, ah d'accord. Ouais, j'arrive pas à lui. Faire l'ambiance. Ah, non, de ouf. C'est un plaisir de vivre avec toi, Nicolas. Je crois que c'est la première fois en 3 semaines qu'on le croise à la baraque. C'est que. J'espère que j'ai pas trop dérangé du coup. Non, t'inquiète, je cherche à manger, hein, puis hein, j'ai pris tous les risques pour revenir ici, hein, pour te mettre une pommade parce que tu t'es pris des boules de neige en caillou, hein, mais t'inquiète. Lourd. T'inquiète, après, on est là pour risquer nos vies, hein, pour des gens qui ont des petites bosses de boules de neige, quoi, je comprends. C'est... Ah non, mais j'aimerais bien pouvoir partir et faire comme ça, et pas faire j'ai le cul qui se chasse, hein. Ouais, je l'avoue. Ah, j'ai cru qu'il chasse, hein. Ouais, c'est pas grave. Les yeux dans les yeux, ça fait très très peur. Lâche. M'entends? Bonjour. C'est ta foutue, hein.